All right. Salut tout le monde. Nous là encore, on l'autre samedi. Avant nous-mêmes commencer, je vais dire nous n'avons que nous allons commencer exactement à 3h30. Nous avons des difficultés et techniques. Et nous l'avons là avant. Aujourd'hui, on s'en va parler, nous allons parler de microservices. Microservices qui s'allient, pour quelle raison tout le monde a utilisé, pour quelle raison qu'on a une architecture et software engineering qui vient plus populaire. Nous avons avec nous JP, nous avons Vlad, et moi-même, c'est Randol. Comme d'habitude, nous sommes un software engineer qui travaille pour Cox Communication à Atlanta. LevIT, c'est introduction à ça. JP, Maron, s'il vous plaît. OK. Bon, moi c'est Jean-Evans Pierre. Nous sommes développeurs qui travaillent pour une compagnie qui est Dell EMC. Développer application pour cloud là, c'est nos application cloud, c'est microservice lié, nous déployons dans cloud là, ça y est les cloud native là, pour travailler là, c'est sous ça me travaille pour collecter données en côté et puis process li travail données hein, et puis parti pour présenter données hein, n'importe qui Jean by client hein, c'est moi même c'est sur application ça me travaille plus et nous va gagner un petit information sur comment ou même on ca développer des applications en microservice Jean de l'Abdia. Comment qu'on soit déployé ou bien séparé en application bien qui gain droit en monolithe parce que il va tout temps conseil les applications on va penser application monolithe mais application c'est simple seulement et puis pour qu'on comprenne différentes parties dans application là pour bailo et m'baron si vla Randol ou gain deux trois bail on va ajouter encore pour finir présentation avant nous parler pour nous laguer. Yeah, non pas vraiment grand pile non parce que surtout dans team moi dans Cox Communication nous commençons essayer faire microservice on déjà dit environ 2 ans de ça parce que avant même que nous délayer qu'on dans conception ça nous était qu'on fait une grosse application et puis qui ont toute fonctionnalité là-dedans et puis comme ça nous essayer servir clientèle interne. Les gars dit avec expérience nous je nous essaie de faire l'envoi première approche nous fait nous minimiser et grosseur application tout nous essaie notre conception les gars dit et ça va définition officielle là but Jean et microservices ça fonctionner c'est on fonction qui pour tout programme là font seule fonction. So c'est approche ça nous c'est utilisé. Bon là comment c'est pensé avec déploiement comment vous déployer et microservices hein? Jusqu'à présent nous beaucoup là. Nous beaucoup et faire en façon qui automatisée donc nous va utiliser Kubernetes, nous va utiliser et Jean Baye mon a parlé de CI/CD et continuous development, continuous integration, by ça. Nous faire by ça. Il y a une méthode, déjà dit brièvement, c'est nous utiliser, nous package tout service là, non, sorte de bail les Debian files parce que nous utilisons Ubuntu. So, on ne doit juste pas sur computer taper apt-get, install et pour installer seul service ça. C'est une méthode ça nous utiliser qui va exactement ça qui en vigueur mais m'a quitté Vladimir introduit tête lui en attendant avant de commencer pousser. Bon, bonsoir. Yeah. Bonsoir. Peuple là qui j'annouye. So moi même c'est non pas moi c'est Vladimir Vivien, c'est haïtien natif natal. Cap vivre l'autre bord de l'eau. C'est
Moi-même, c'est un ingénieur, mais tout un ingénieur logiciel. Je travaille pour une compagnie qui crée les VMware. Comme un logiciel, un développeur qui crée des logiciels, dans ça, les back-end. So, je dis à ça, nous pourrons parler de lycée. Nous pourrons parler de concept microservice là qui s'allie. Pour qui ça ou qui a besoin microservice qui leur a besoin microservice et tout si que ou qui n'a pas même besoin arriver dans microservice ça parce que microservice ça des gain ça le bon là-dedans le gain ça pas bon. So, avant de commencer ma prête là parce que c'est de ça on va parler et puis l'homme fini JP Gonti demo là by tout qui Jean le que ou arriver dans stade microservice là que j'en pour qui j'en ou ka écrit en microservice et puis déployer. So ma prit là pour moi si Randol gagne en elle a pas ajouté. Yeah, non à ce point les gars dit nous cap commencer monter de trois bagages parce que Marone JP ou fin ou te déjà introduit tout marron ainsi que de toi ou ba ou ajouter avant Vlad Lagesha. Non moi moi nous bon tout ba eh ben on commencer OK. So on prend écran. OK, let's see. Here we go. Nous aimons. OK. Mais OK. OK, so comme on était dit tout à l'heure, so jodi a terme présentation jodi a c'est de microservice. So comme on était dit, moi même c'est Vladimir Vivien en chair en os. C'est comme on était dit tout à l'heure, moi même c'est un ingénieur logiciel, moi des amis étudiants, c'est ça qui c'est avec ça me travaille tout de jour en jour. Moi aussi m'te gen opportunité pour m'écrire un livre en 2016 sur un langage relé Go. So même non seulement c'est un ingénieur, même c'est un écrivain tout. Et puis sin sur net là sur Twitter, moi c'est sur Twitter là mien bah tellement l'autre côté. Ou gen doit suivre moi à Vladimir Vivien. Anyway. On commence. So jodi a encore n'a parlé de ça relé microservice là. Qui ça qui un microservice? Ou gen doit connait, ou gen doit pas connait tout, mais avant de rentrer d'emblée dans ça microservice là, on parler de qui ça? Qui ça qui un service? Parce que gen doit c'est là c'est l'arrivée, c'est là c'est son besoin qu'on est avant de démarrer. So on parler de bon moi JP bon petit feedback là. Thank you sir. Merci en pile. So on parler de ce on ça les architecture service là. So le plus souvent le que ou entrer ou comme c'est bon on service architecture c'est son architecture qui moderne c'est-à-dire l'aura les téléphones ou bien ouvrir un laptop ou bien tout sur l'autre type de computer ou accéder en service ou bien ou ouvrir un browser ou bien c'est téléphone yon app sur téléphone ou app utiliser. So téléphone ça ou bien laptop ça les accéder service là service ça est pas sur téléphone là mais c'est sur laptop là lié. So service ça son service son logiciel qu'a vive non centre de données quelconque côté qui gon paquet computer et c'est là tout computer ça lié et c'est là service là résider c'est là la vive. So le plus souvent utilisé moi là dans temps moderne kounya c'est sur internet là c'est un protocole internet là que nous utiliser pour accéder à service ça et service là comme moi dit il doit vivre le plus souvent service là est pas sous et pas sur appareil qui dans mon là il va l'allier mais service ça vivre nos banques de données
dans grande banque de données, que ce soit sur Google ou bien sur Amazon ou bien sur Microsoft Azure ou bien tant l'autre banque de données qui est centre de données qui gagne yo, c'est la service ça. Oui, bon, ça architecture là, ça le permet tout faire, c'est que ou utiliser internet là ou accéder service ou et puis service ça retourner en réponse quelconque pour by appareil qui dans mon, et c'est ça qui permet tout communiquer avec service là. Now, service ça qui ça qui là dedans. So premièrement nous fait se parler de client yo, client c'est ça, c'est appareil qui accède à service yo, c'est ça nous relons client. Et puis service ça encore c'est un logiciel, c'est ou bien son groupe de logiciels tout comme on était dit aller qui utiliser un protocole le plus souvent c'est protocole internet là HTTP pour communiquer. Et type d'approche ça nous relé découpler, c'est-à-dire appareil qui dans mon là smartphone là ou bien laptop là li pas nécessairement couplé directement avec service ça. So, service ça fait ça rien pour le faire, phone là fait ça rien pour le faire, so, mais yo communiquer quand même. So gen différents types de services et différentes approches qui gens service yo même yo créé. So nous gen ça nous relé monolith là. Bon, qui ça qui monolith? Monolith là historiquement c'est un service que les ou déployer li, les ou installer li ou bien yo mettre l'en côté pour courir son grain programme. OK, so c'est à dire c'est peut-être ça relé le monolith, c'est-à-dire tout aspect qui n'a que service là, toute fonctionnalité service là run par un grain programme, par un grain logiciel, logiciel ça le plus souvent ce soit bon, il y a droit logiciel ça il y a droit installer sur plusieurs machines, mais le plus souvent son grain logiciel là. Tout comme on dit toute fonctionnalité qui dans service là li présenté dans ce grain logiciel là, c'est-à-dire tout couplé ensemble. Tout code qui fait partie service là, il est distribué non seul emballage, so, c'est-à-dire là prend toute fonctionnalité qui fait partie service là. Nous prend ça, nous voyons sur computer ça, nous voyons sur ça, nous voyons sur ça, mais c'est toujours toute fonctionnalité là. Toute fonctionnalité qui dans service là, c'est son grain c'est son grain programme lié. So ça qui arrive c'est que les gars on changement dans une partie logiciel là, toute l'autre partie fonctionnalité qui fait partie de logiciel là obligé camper. So on regarde. So avantage monolith là, on regarde avantage en avant, après ça on va parler de désavantage. Avantage monolith là, c'est-à-dire les plus facile à maintenir, les plus facile à gérer parce que son grand programme ou bien bien que programme là li rend ou bien supporter toute fonctionnalité pour service là, c'est-à-dire second service comme exemple second service c'est bon on dit c'est son service qui son store online store par exemple. So grain programme ou bien grain logiciel là c'est lui qui responsable pour tout, c'est-à-dire enregistrement d'utilisateur, gérer pour gérer utilisateur yo pour catalogue pour web store là, toute fonctionnalité a c'est un grain logiciel qui est responsable, c'est comme on dit c'est tout bah yo couplé ensemble. Et parce que son seul logiciel ou gain lui permet ou à gérer à manager tout aspect comme là du déploiement ou bien maintenance, tout ça ou fait là avec grain logiciel là. Désavantage monolith là, c'est-à-dire encore toute fonctionnalité tout couplé, c'est-à-dire si bon problème par exemple pour retourner dans exemple
store là, n'était pas l'état là. Si que au gon problème dans partie enregistrement d'utilisateur là, c'est-à-dire peut-être au gon problème database ou bien au gon problème bon, ou besoin font changement quelconque pour prendre pour capter plus d'informations. Mais le fait que son monolithe ou gen nan moun, pour fixer ou bien pour faire changement dans base de code ça ou obligé camper tout bagage parce que tout bagage yo couplé ensemble, toute fonctionnalité yo couplé ensemble, lors dégage ou voyez ou déployer monolithe là, c'est-à-dire lors besoin font changement faut tout bagage camper. Lors besoin change on partie dans bagage là faut toute l'autre fonctionnalité au camper. So nous on j'ai les fait commencer à utiliser internet tout qu'on gagne de temps en temps ou allons website ouais website là comme si au go website tout ouais bon yo du website là il pas marché ou mis down bien on bail quelconque et c'est tout bagaille ça c'est peut-être ça que moun vin réaliser que bien que l'orgon monolithe dans mon li pi facile à gérer, li gen des avantages mais li présente a des désavantages ou gen tout le présenté là. So on continue. So koun ya la parce que nous gon paquet des avantages market là ou bien tout moun ki développe type de logiciels ça vient réaliser que yo besoin on l'autre alternative c'est-à-dire nous besoin développer logiciel on jan que les gon problème non parti dans logiciel là pas nécessairement fait tout service là camper. So on regarde qui jan pour nous découpler ou bien qui jan pour nous créer des services au lieu monolithe yo vin micro et c'est là terme nan vin nous sortir avec ce microservice là c'est que c'est pas des services qui est micro non mais on cap parler fort bah comme ça c'est-à-dire c'est taille service là bon et pas nécessairement taille mais c'est le fait que c'est au lieu relé anti monolithe yo juste relé micro service c'est-à-dire c'est un des services au lieu yo gain yo prend toute fonctionnalité yo ensemble yo découpler yo et c'est ça où les microservices là. Et avant d'aller plus loin, on a dit nous gagne de trois monde qui font ti allo ba nous sur web là et puis comme ça tout nous gagne un guest qui là avec nous monsieur Eli il est venu participer ensemble avec nous bah sur monsieur là. Non, oui, Eli nous voit là, qui j'en ai même. Non, nous en sommes. Wenda, oui. Mais nous pas de nous. Yeah, so, we're not going to be tout bien vite, you know, d'une côté, nous assumer la coalition, on va aller créole. On va aller créole. Mais même si, non, pas si Eli, et oui, tout, moi, nous, on connaît, et vous croyez. Pas vite en même j'avais nous qui un an depuis nous commencer à travailler dans IBM. Oh, okay, awesome. Yeah, that's pretty good. Yeah. So nos calans nous gain Atlanta, nous gain Floride, nous gain Boston, nous gain New York. Big up. Yes. Mais okay, on va continuer là. Pas un problème. So comme on t'a dit tout à l'heure, service monolithe là ou bon service micro ça veut dire le micro service là c'est un service que c'est anti monolithe lié c'est pas nécessairement qui gros ce service là mais c'est une approche qui détermine que au lieu nous mettre toute fonctionnalité non grand service on séparer fonctionnalité yo à des services propres à eux-mêmes. So le fait que ça fait nous arriver dans point ça, c'est ça nous te
comme on était dit tout à l'heure, on était observé les que ils nous viennent arriver non point que qu'on y a toute bagay qui sur web là 24 sur 24 pas rien à faire de down mal dans website ou en bas à joindre nous etc etc. So c'est une raison qui fait nous arriver dans point microservice là. Et puis so ça m'a là c'est ça m'a dit ça là. C'est monolithe là et comparé là avec service micro. So c'est-à-dire l'autre monolithe toute fonctionnalité à nos grains emballage, nos grains logiciel ou déployer tout ensemble. Toute code base de code où ils vivent ensemble, they run comme si on a dit yo processus qui courent les services et courent ensemble. Mais l'ovin prend approche microservice là, ce qu'on fait c'est ou analyser. Premièrement, on prend analyser qui bon pour comme si on a dit que pour ta tracer ça les border qui bon pour ta tracer côté un service commencé et l'autre la fini. C'est-à-dire à ou bon on service qu'on va faire des analyses pour qui ça fonctionnalité et puis qui gens tout pour faire partition pour prendre monolithe là pour partitionner li avec pour arriver non point que ou gain des plusieurs services et chaque service ça dans l'a parlé de microservices. Chaque service ça yo même ce sont des logiciels ce sont des processus pour compte par eux et puis ou gérer eux séparément yo vivent pour compte yo pas couplé même genre ça les tightly coupled yo pas couplé genre même genre lorsqu'on service monolithe. C'est-à-dire genre ouais sur écran ou gen doit avoir un service autorisation ou gen doit avoir un service d'enregistrement, ou gen doit avoir un service pour gérer utilisateur yo et chaque service ça encore yo vivre pour compte pa yo exister pour compte pa yo. Mais ça qui vient avec kounya service yo kounya parce que ou pa gen un grain monolithe, kounya gen plusieurs services ou gen des processus chaque service yo gen processus pa yo yo courir pour compte pa yo. Quand il y a un autre problème, alors bon, parce que nous t'allons bral camper là pour JP Banonti aperçu qui ça aperçu de code. So, va continuer avec concept là et puis bral camper tout à l'heure. Quand il y a l'autre que ou vin adopter ça nous relé microservice là, ou vin gon l'autre problème tout. C'est-à-dire quand il y a faut service parce que nous avons un service, faut communiquer avec tout l'autre service. Ou bien nous avons un service, c'est avec appareil qui devant, ça veut dire front end device, tant que laptop ou bien smartphone, ça veut dire yo communiquer. Mais ou bien nous avons l'autre service qui dans centre de données qui communique avec entre eux-mêmes. Quand il y a une autre issue, ou une autre problème, quand il y a fort chaque service à eux qui a communiqué entre eux. Bien que quand il y a l'organe service découplé, tant que si ou un problème avec enregistrement, service ça, l'organe doit poser li, l'organe doit update li, l'organe doit mettre mise à jour avec. Mais l'autre service n'est pas nécessairement campé, tant que sur service autorisation, bien service de utilisateur pour gérer utilisateur yo. L'autre service ça yo pas nécessairement campé. So ou vinn gon avantage ou que service yo vinn indépendant yo ka opérer indépendamment de yon lot. Mais ou vinn gon lot issue kounya, ou vinn gon lot problème ou que kounya fò bay service sa yo jan pou yo communiquer entre yo. Et qu'on y a venu l'autre problème avec, c'est-à-dire pas l'autre problème, mais ou venu des autres concepts faut comme si faut qu'on ait qu'on y a l'envie d'adopter ça les microservices là. Bon,
ou même cap développer une application ou même cap développer cap commencer avec c'est soit ou fait commencer dans canton ou bien ou gain des expériences des années ou gain doit dire que ou développer des services monolithiques ou bien ou gain doit regarder nous live là ou dit bon on va essayer essayer commencer avec ça nous relé microservice là. Ti conseil d'abay c'est que si que ou gen application là, li simple, li minime, li pa tellement grand, ou gon nombre, c'est ou seulement qui a développé application hein. Ou pas nécessairement doit adopter ça nous relé microservice là parce que microservice là li gen avantage li mais li gen conséquence li alors. So si que ou a développer application c'est comme on dit c'est seulement capé application c'est seulement cap travail sur li ou pas nécessairement doit adopter ou pas nécessairement doit adopter ça nous relé microservice là. Si que ou gon application ou gen let's say ou gen 10 20 ingénieurs qui travaillent sur lui et application là sont c'est-à-dire sous rive dans point ça ou mené application là c'est-à-dire sous gen 5 10 ingénieurs qui travaillent sur application c'est-à-dire ou mené so là rive dans stade ça c'est vrai ou gen doit commencer considérer gens ou ka pran application an pou fè l tounen sa nou rele on microservice. Naturellement kounye an si que ou adopte si que ou al nan AWS an rele Amazon ou bien so al nan Google ou bien type de plateforme sa yo naturellement yo découple fonctionnalité en application nan sa yo. Nou pa pral antre nan sa nou rele serverless jodi a. Mais c'est une progression naturelle que plateforme ça ba nou. C'est-à-dire fonction ou prend application ou découpler li ou en ti fonction et puis chaque fonction yo ou déployer yo séparément. Mais ça qui vient arriver c'est que plateforme ça ba ou des outils qui gen pour comme on a dit non seulement yo ba des outils mais ou même tout l'on commence à adopter l'on commence à écrire application dans gen ça c'est-à-dire ou senti ou confortable pour prendre application pour découpler li pour séparer li dans chaque fonctionnalité chaque fonction déployer pour compte par et bien que plateforme ça a bons outils mais ou même fort comprendre qui gen comme n'a dit tout à l'heure qui gen pour prendre qui gen pour leur fin analyser application qui bon comme si n'a dit qui bon pour détailler des frontières dans application pour chaque fonctionnalité gen ligne pas gen cause comme si n'a dit pour prendre fonctionnalité pour séparer dans fonctionnalité propre à eux-mêmes et puis eux-mêmes pour déployer. So comme on dit tout à l'heure ou gen doit gen besoin pour arriver non stade ou que ou déployer application comme on des applications microservices mais si que application soit application qui comme moi dit tout à l'heure li minime li simple c'est deux ou trois fonctionnalités et c'est deux ou trois monde qui travaille sur lui ou pas nécessairement à l'investiquer un paquet de temps pour prendre application que ou une application qu'on gagne cap marché cap bay moun yo service qu'on y a là pour prendre application ça pour détailler pour venir faire tourner en microservice mais si ou a commencé jodi a ou comprendre ça on ça microservice là est ou confortable et non seulement comprendre mais confortable avec fonctionnalité application ou gen doit prendre application ça ou al non plateforme tant que AWS Amazon ou bien al non plateforme tant que Azure ou bien Google
ou commence ou doit commencer application là directement comme microservice, c'est-à-dire on prend chaque fonctionnalité qu'on a au besoin ou déployer séparément. Mais comme moi t'ai dit tout à l'heure, l'on fait ça tout ou gain de l'autre problème ou cas ou vinn faire rencontre avec parce qu'on a gain plus au lieu son grande application à gérer, qu'on a gain plusieurs applications à gérer. Mais encore si une tombe, l'autre n'a pas nécessairement tombé parce que application j'a eu découplé. Donc on y a un bral fond ralenti pour moi si gain question et puis si JP prêt pour bah un petit démo. On a dit bienvenue et bienvenue avec Doc Fader qui est monté là. Quand est-ce que monsieur là so ben je me déca ajouter dans ça pour dire là comme de dit au début quand on dans timoin nouveau grand assez pour faire tout microservice dans agenda supposé faire là but you know avantage qu'on gagne bon déca dire l'on d'a fait monolith you know des avantages qui te gagne que quand on t'a travaille son un code qui parle avec database par exemple on a changé code là et puis nèg qui gen expérience plus yo nan programmation ou mete sou git ou mete nan repo et puis on l'autre monde checke code là et puis li fon changement kounen ou vin fon paquet de temps ou a pese fixer ou a pese merge et code on l'autre monde avec code part avec changement que t'es fait c'est un problème des avantages qui gen là fait monolith là kounen là malgré nous-mêmes nous pas vraiment fait tout microservice Jean et les recommandé ou bien Jean Cabwell sur net là toute la définition but nous gon paquet et nous tout chaque monde responsable pour service par dans team là nous environ 5 à 6 et développeurs so le microservice et moi qui responsable service il supposé you know toujours marcher il supposé gain une en production une et QA ou by sao so le nous vinn moins conflit so nous fait moins temps à essayer corriger on l'autre bagarre l'autre nèg te fait ouais écoute une en bas que des gens dit là dit avec des avantages microservice là parce que microservice pas même des avantages une en cost qu'elle devenir en prix pour venir payer ouais mais pour leur utiliser là qu'on a nous un paquet et service on est là nous obligé à checker OK à manager est-ce que connaît est-ce qu'il y a tel gain service est-ce que connaît code de dégager un tel service parce que nous pas gain you know by que micro et architecture baou c'est ou cap bon un service discovery but nous même catalogue ouais on sort de catalogue qui gain tout service yo que cap connecter automatiquement by ça nous bagain ça so nous obligé faire partie ça manuel but au fur et à mesure nous va l'obligé adapter nous parce que les gars leur commencer gain you know 500 000 services et ouais. Ou gain plusieurs applications qui a parlé avec service ça living couteau cher oui ou qu'il y a son autre problème ou gain faut gérer plusieurs au lieu son grand service bien que you know so balance by that, right so non bon ou gon grand service l'on besoin réaliser un changement ou bien je gérer faut tant dans l'autre monde ou bien soit font mise à jour là c'est tout service là net li craser le fait le camper qu'on y a alors un paquet de service ou on a l'autre problème parce qu'on y a un paquet de service logon appareil pour appareil là faut le découvrir qui service pour le reler qu'il y a venir l'autre problème comme si qu'il y a l'autre changer service là faut si tant que moi même m'écrit code capé utiliser service d'enregistrement OK so c'est moi qui développer c'est moi qui développer code pour app cap qui utilise service d'enregistrement kounya la
le fait que mde yo am gen code za kap utiliser service enregistrement le gon changement service comme si nous besoin changer service enregistrement ou pas ka vite al changer service ça ce soir ou pas ka comme n'a dit ou pas ka retirer fonctionnalité ou pas ka effacer fonctionnalité ça dit bon son bagay qui vraiment li vrai pour ni monolithe ni pour microservice so lo changer enregistration ça dit sous te gain on forme qui gain plusieurs ça relé cap qui mande plusieurs qui prend plusieurs types d'informations ou pas qu'à retirer une dans yo parce que le moment qu'on retire ou retirer une field dans service dans fonctionnalité ça qu'on y a tout ça relé tout appareil device qu'a utilisé service ça qu'on y a eu même tout yo pral tomber so qu'on y a imagino ou gen au lieu d'un grand service ou bien une vingtaine de services ou bien une trentaine de services sous service ça il a opéré indépendamment et bien que le a opéré sous une ou bien campé une toute l'autre pas tombé mais il vient introduire un autre type de concern et sous pas gain des outils propres qui pour aider ou grand doit venir dans plus tête chargé que l'air que c'est service monolithe la wap utilize. Gen l'autre question m'a konnen, non? Non, m'kon ka un, deux, trois remarques. Bon, m'kon gen trois points. Hey, what's up, Dark? Yo, sa gen la tout moun. Ok, bon, t'aime tout rentrer en autre point. So, premièrement, sa ki vin ou vin gen ou même en tant que développeur ou en équipe ingénieur, pas vrai? Qui travaille dans son projet qui a grandi, qui a un complexe, c'est que l'on applique pattern microservice là, c'est que ou même qu'à séparer par différents domaines que j'en vois là qu'on a un domaine pour authentication, une pour registration, un autre pour management, toute logique business qui est pour concerner là avec une autre domaine ça y est, ou besoin de coder là en grand côté, c'est vrai. Et parce que séparé ou quand même ou quand implémenter la façon qui plus bien approprié pour équipe là ou bien pour problème qu'on va résoudre là. Qui exemple authentification en cas écrit en Node.js, registration en cas écrit en PHP et puis management en cas écrit en Python. Ah oui, puis gagne moun qui fort dans différents domaines ça yo, pas vrai, yo même yo responsable pour authentication. Ça que Randall a fait pratiquement quand c'est bon petit visibilité sur qui genre est-ce que qui conséquence que ça vient bah où il vient bon avantage pas vrai mais on bagarre en tant que en équipe faut venir améliorer façon que nous communiquer à faire communiquer en termes de équipement façon qui est extrêmement important parce que ça qui vient arriver qu'on y a là on a différents domaines ça c'est que différents domaines là pral obligé créer des contrats pour yo parler ensemble avec une autre. Avec contrat qui a gagne différentes formes. Une autre forme que nous connaissons c'est HTTP, pas vrai gagne ou REST API, pas vrai qu'il y a c'est API. On dit bon OK, mais les différents routes que moi accepter et mais qui forme donnée pour voyer ban moi et puis mais qui forme résultat m'a ba ou. Des pour même communiquer en façon ça ou ka fonctionner avec. Pas vrai, ça c'est ça qui aide toute équipe yo pas vrai depuis yo respecte contrat équipe qui gagne authentification ici il était calant node yo décidé bon node là passer vite nous besoin supporter des billions de monde on nous changer en Erlang en langage ou bien Phoenix mais depuis yo respecte contrat yo ka changer technologie en qui supporte authentification pas vrai sans yo pas nécessairement by gros impact by l'autre côté dans programme là et c'est ça qui aide différents types évoluer avec flexibilité avec vitesse so c'est ça séparation de domaine ensemble avec communication et troisième point que t'aimais en toucher sous c'est
là où vous venez de pile vite ça, vous avez pile de pas obligé de mettre autonomé, automate, mettre faire CICD. Avec autant de yo parle de GitHub avec GitOps, nous mentionnons ça déjà avant. Côté tout bas, on a fait c'est dans un répertoire de code, pas vrai? Eh bien, il y a l'autre logiciel qui fonctionnait, qui est responsable pour délivrer, pas vrai, tout changement qui passe dans le code là pour lui rassurer que le système là match à code qui est supposé en production. Ah ouais, si nous prenons un exemple, on nous dit Amazon bien Netflix, pas vrai, côté hier même il a fait une centaine de déploiements en production par jour. Ou pas qu'à faire bah, ça à main, pas vrai, c'est un système pour faire pour joindre pour gérer et de gérer toute complexité ça. Bon, un exemple qu'on a touché là-dedans, c'est que Vlad, I don't know if you wanna dive into it, mais c'est Spotify. C'est que nous-mêmes, nous avons un exemple concret de qui j'ai ce que microservices ont même appliqué dans les applications que nous-mêmes nous servis de jour à jour. Oui, so, ou bien Spotify, ou bien Netflix. Netflix sont une grande maison qui utilise un pile. C'est-à-dire, toute grosse compagnie qui a des services à grande échelle. Le plus souvent, c'est avec microservices à utiliser. Mais, ces jours-ci, sur ça qui vient arriver, c'est que ces jours-ci, là, je dis ces jours-ci, dans les deux dernières années, moun qui était entré fond dans microservices commençait à réévaluer avantages que jouent dans microservices là, parce que ça qui vient arriver, complexité de déploiement, les vins, comme tu m'as dit, les doublé, mais li monte en pile parce que tout autant ou gen plus application ou a besoin plus automation ou a besoin plus à dire tout autant gen plus service pas application tout autant gen plus service ou a besoin qui gen pour gérer yo qui gen pour déployer yo qui gen pour découvrir yo gen Randall te dit à l'heure c'est à dire c'est bon c'est une raison pour laquelle nous gain plateforme tant que ça nous les Kubernetes ou bien Docker ou bien l'autre encore c'est parce que plateforme ça a aidé à gérer déploiement y a aidé à gérer puis genre pour comme scénario là pour un service tant que authentification ou bien registration service ça parce que ou ka déployer indépendamment de toute l'autre application on doit prendre service ça emballer pour compte parler les fini voyer sous tête ton service en plateforme tant que Kubernetes et puis Kubernetes apprend ça gérer pour normalement déployer li et puis sans que ou pas porter impact avec l'autre service mais encore tout autant ou gen plus service c'est tout autant tout ou a besoin tout un paquet d'autres outils que peut-être en vend ou pas de besoin pour gérer service ça. So, c'est ça que je voulais ajouter. Même une question dans le sens de dès qu'on a fait application, c'est comme on a développé application et puis tu l'utilises et on l'autre API pour faire une autre partie dans le là. Est-ce qu'on a considéré ça en microservice? Bon, microservice là, c'est. So, et ça m'a essayé dit à l'heure, c'est. Dans le commencement mouvement microservice là, moun te attribué terme micro à taille ou bien size service là. Gen moun ki dit bon, chaque microservice supposé font green bay seulement. Après ça, Alvin. Hein? 100 lines of code. Right, exactly. So, gen ou ke di ou for limite, li sit lo be, bagay. Bon, sa k vini ve, sa m dap dit alè, dan lè 2-3 dernyè zanè, moun vini realize ke bon, son paket garbage ba za. E, servis la, se, ki sa ki, ki, kom zin nan di, servis la, gen plusieurs jan gen do a identifiye yon servis, se a dire, fonctionnalité c'est un domaine genre dark tabia son lot ou gen droit gon ou gen droit gen ça nous les services et puis
li desservi plusieurs domaines ou bien li desservi plusieurs fonctionnalités, mais li son service quand même. Le fait que service là ou bien logiciel que on ba qu'on déploie à li ka desservi plusieurs fonctionnalités, ça va vle dire pour laquelle li pour microservice. Là, nous ne sommes pas là qu'on est le plus souvent conseillé d'applications pour développer. Ou bien, par exemple, vous utilisez Google pour faire authentification, ou utilisez un autre API pour faire absolument. Non, mais yeah. C'est forme microservice. C'est-à-dire, c'est approche microservice. C'est-à-dire, ou bien, vous avez une application. L'application, ça, li nan appareil qui nan mon lan ou bien nan laptop. Mais, li utiliser des services en paquet de côté. So, c'est principe ça, c'est un principe microservice là poté. C'est-à-dire j'en dis à on doit utiliser Google for Map, on doit utiliser Google for Map, on doit utiliser Amazon pour l'autre bagage. Yeah, yeah. Même faut y ajouter sous bas là tout Jean Vladimir dit c'est principe microservice là que y a utilisé même là ça parce que là où vient faire comme ça ou on dit utiliser donc Firebase on bail comme ça pour authentification ou que doit venir vont l'heure où Firebase charge trop ou bien pas bon ou que doit en remplacer ça avec son service par qu'on déploie ou même cap gérer authentification et c'est ça microservice ça vient bas où côté que on vient gain parti ça on remplacer avec n'importe qui bail sans qu'on pas craser ou bien n'importe qui l'autre bail et on l'autre bail tout ou bien doit ouais mon faire parce que Jean Vlad t'a dit a li pas vraiment tant qu'on service différent seul bail mais ça mon qu'on vient faire c'est ou bien doit un service qui en a fait plusieurs bail ou bien réaliser qu'il y a une partie ça on dit qui besoin plus ressources on dit service ou li mon faire requête bail li et puis il y a information la recevoir pour tout et puis la process pour mettre dans base données ou gain doit ouais il fait plus bal ou gain plus demande les recevoir information pas vraiment gain trois requêtes qui viennent ou ca séparer en deux services ça fait souvent côté ouais plusieurs services combinés viennent faire un seul ou bien yo viennent séparer juste peut-être une yo casquer ou ca viennent faire ou ca multiplier j'ai besoin pour yo ca gérer ressources. Yeah. C'est exactement ça qui introduit GraphQL. Côté que ou ka besoin donner qu'on besoin même, c'est lui même ou prend dans API là. En parenthèse tout, m'te dit toute architecture et service, li sorti dans l'autre conception avant Docker, avant Kubernetes. Là tout le monde a parlé de service oriented architecture. C'est la idée sorti tout. Côté jeune dans entreprise, nèg te vinn avec une idée côté yo di ou gon service bus côté tout l'autre, you know, tout service yo a parlé avec bus là côté que ou pas vraiment besoin discovery. But en réalité quand Jean Elise mentionné même moi-même le m'a travaille, m'vinn nous rivé non point côté ma bien qu'on service, but service m'a dépend dans l'autre service. Vous comprenez? Et c'est pas seulement un service API external, comme Google, comme, you know, the Weather Channel or whatever, j'en débat ça. But même l'autre service, l'autre nègre écrit, il y a juste besoin d'un petit nuance, tout petit. Et puis, c'est ça, m'écrit pour créer un autre front-end, un autre genre de report pour consommateur. On l'a été bah que m'ai pensé tout dans ça Elidien c'est l'échapper. So go ahead Mbakone, si Vlad d'avoir continuer. Non m'a rien pour m'ajouter mais m'a demandé JP s'il pourrait pour demo bien si on a continuer discussion. Yeah, m'ba oui. Regardez. OK, so yon nan ba nou te gen pou nou fè jodi a, se nou wèl gade. So, nou pale an pil, nou fè an pil diskusyon
de sa nou rele microservice la. Et tout à l'heure, m'fait que so dit tout, youn nan bay ki vin découler de mouvement microservice la, c'est jan nou créer et déployer application. C'est-à-dire nou gen dwa créer application kounye a. Ou li application, c'est ou pon paquet bay ou mette avec li. Là c'est monolithe trop fait qu'on ou prend grande fonctionnalité à ou mettez dans ça relé dans conteneur et pour voir sur un Kubernetes ou bien ou mettez dans conteneur ou bien voir son une service qui disponible sur net là tant Heroku ou bien etc. Ou bien tout tant comme démentionné tout à l'heure ou on doit prendre grande fonctionnalité ça tout sur si c'est plateforme tant que Amazon ou bien Google ou bien Azure ou grand doit prendre grande fonctionnalité ça tout ou déployer li sous plateforme yo dans ça relé serverless là. Bon, serverless là nous pas parler de li jodi a, mais jodi a des mom quoi j'ai puis pour le faire c'est pour prendre un service et puis déployer sur Heroku, right? Yeah. Okay. On construit un container donc avec Docker et puis déployer li. OK, so c'est à dire pour là l'ontijan plus ontijan avancé parce que c'est ou k'ap mete nan conteneur ou même ou bien c'est Heroku k'ap fè. Non, nous même k'ap mete nan conteneur. Oh, OK. Ouais. So si nous continue conversation ça m pa konnen nan semaine k'ap vini, ni une option gain tout c'est ou même comme développeur ou pas même concerné tête ou avec Docker ou bien ouais ou pas même care même c'est en prend fonctionnalité à bay un service tant que Amazon et Apple et puis Amazon ou bien Google ou bien Azure prend ça et puis yo emballe dans un conteneur pour automatiquement et puis yo expose le comme un service. Mais ça j'ai puis pral faire pral montrer qui j'en pour faire li à la main pour nous ka comprendre qui j'en type de déploiement ça fonctionner. Bon, allez non. Bon, OK, pour me partager écran avec nous. Bon. Est-ce que me connais le nom écran? Nous est comme là. Ya. L'antigène. Bon, OK. Bon, essayez là qui essayez aussi un peu. OK. Yeah, non, mais grossir le texte ça c'est seulement bon ça pas ca grossir. Mais ça va vraiment gain bah c'est seulement des dossiers qui là. La départ nous parler nous des tout qui ça qui microservices je ne sais pas il y a différents services ça m'a montré nous c'est n'a font un petit service bien simple en Python et puis n'a mettre le conteneur et puis déployer li en côté et puis suppose nous on va montrer des trois autres bail toujours si gain temps mais on bail qui important qui c'est tant que Docker accessalier nous te font parler sous lui plusieurs fois déjà. C'est une barre qui permet de construire un container qui se service ou qu'on peut déployer n'importe qui côté pour exécuter. C'est pas lui seulement qui existe pour créer container, mais c'est l'équipe populaire. Même pas parler trop sur ça parce que important ça c'est pour nous créer barre là. Bon, premièrement on a créé un service Python. Si on nous code Python déjà ou comprendre ça veut dire mais ça l'a fait à bien simple. Ça me va l'utiliser à c'est un bail qui les flash response on connaît randol là mais en pile c'est un bail qui permet de créer un API son en dépendance par Python qui permet de créer un API sans problème. Pour installer lui c'est simplement taper pip install flash response libre dépendance là sur Google Flash Response ou ka sou page la, la bon information sur comment vous utiliser les informations direct pas bien aucun problème. Nous avons installé déjà mais on va le rapide là. L'autre bail tout bon petit zoom là avant mettre le connier ça me va faire bon
bon, des gon template. Mwen essaye de template mwen konn itilize, men map tape yo pou nou. So, pou itilize Flask Response la, bon, konmen se pa importe Flask Response la, sa m ba nou dot detay yo. Flask Response. Men, on va importe sa yo, et pi Flask Response la li menm li baze sou sa ki li Flask la. Flask se on dépendance pour créer service en Python et on va importer ça yo attends moi m'a venir fixer ça là pas un problème bon là pour le moment je fais ça vraiment. Et puis connait ça permet tout faire on va créer bah il y a sans problème. Si la Flask Response la li menm li vin fè pa la, alors itilize API a ki se yon bay ki mwen te importe yo et mwen te importe l mal deja. Kounye sa l ba ou li pèmèt tou pou ka defini metòd avèk bay. Mba se nou konprann ki sa ki on service REST. Mais ma l'm fin mettre ça après ça me braler dans exemple qui ça n'a créé et montrer nous mais m'a camper là pour le pour un moment bon partager bon oui ça il pas partager tout écran là mais m'a obligé de partager. On a laissé ça pour te battre. Nous carré comme nous toujours. Ah oui? Ok, en forme. Bon, ça nous va faire un petit bail bien simple. Nous avons un service nous. Jean Vladab dit nous qui là. Nous avons des services et puis nous avons ça, c'est service Python. Python. Et ça nous va laisser faire. C'est. On dit ou envie construire un bail côté au besoin pour moun aller pour y aller prendre photo pour y reporter bail. On dit par exemple au besoin ou travailler sur on organisation qui fait nettoyage ou besoin pour ou besoin plusieurs moun aller là ria faire photo pour un côté gain malpropre bail ça et puis pour voyer photo pour identifier li et puis après ça on moun qui doit aller pour lister li ou bien on doit même ou besoin collecter information sur qui côté gain marche dans la ria pour moun ka côté connait côté pour al, si on a là il a besoin pour manger ou bien qui côté bon restaurant quand on est voyer moun al faire photo et ben pour ça moi on a utilisé Slack ça moi le faire a utilisé Slack souba nous parle de Slack tout le temps Slack gain un concept de bot mais ça me décrire c'est on bail dans Slack là côté les cas voyer on requête bail service ça on a considéré ça comme un service ça qu'a fait là c'est service ça après parler avec service nous hein bon minute there we go that should have been better anyway à parler avec service nous hein et puis requête qu'elle a fait balio c'est reste là c'est un coup ou faire on requête http c'est ça Vladab di et puis la panique fait vers la bali qui on requête qui définit on dit image et puis gounier requête la bien information la donne comme si ça n'a utilisé que bail qui définit il utilise json n'a pas la bien body et puis la bien l'autre bail toujours m'pas mettre tout là cap bien l'autre information la donne et puis service nous même la prend information ça lui même la mettre soit dans base données ou bien quelqu'un déjà en dit qu'on base données la panique mettre dans base données et puis bon l'autre service simplement pour ramasser information pour montrer mon information dans page nous qui doit pas arriver dans dernier partie ça mais c'est partie ça qui veut montrer nous côté n'a créer service Python pour nous créer un container moi les ça service
web. Ça, et puis ça, lui-même a fait requête by service Python pour dire le bon list image, yo, par exemple. List image. Et puis, attends, nous connaissons, nous avons défini contrat pour service Python. Nous connaissons la recevoir en requête de Slack. Requête là, c'est pour Slack. C'est reste. Et puis, ça, même, a bon get la faire. Bon, mettez devant yo. Pour le recevoir image. Et puis nous allons définir, qui ça image là bien la donne. Ah, après. Mais on t'y barre simple comme ça. Bon, moi retourner Allez. Bon, ok. Jean, ça a fonctionné login API, ou quand mettez un coup API route, et puis vous définit, ça allait parfois. Mais c'est zoom, non bon. C'est ça, on a dit image. En forme. C'est ça qui a image là. Ça, nous te dit, n'a bon poste qui fait image. Et puis en bas, on définit en simple classe. Et puis on a dit ça, c'est classe pour image là. Et puis là, on en ressources. Bon, l'autre bas, on a besoin tout. Flask Response là, c'est utiliser ressources. Si vous regardez la documentation Flask Response là, vous voyez comment vous servir avec lui. Mais on définit en classe. Classe, ça suppose. Externe aux ressources là et pour définir méthode qu'on a besoin. Nous connaissons image là, c'est un post seulement qu'on a fait là bien. Nous définissons comme ça. Et puis, gens pour utiliser pour recevoir ta pour information dans data qui vient dans post ou dans body post ou c'est ou utiliser request son bail qui vient dans Flask. Et puis, bon, pour le moment, nous avons dit print request that JSON. JSON, non, la utiliser JSON pour ramasser le bar là et puis return. Je vais return même bar là. Bon, nous avons un service qui a appelé dans le moment là, ça le fait, il y en a. Son vous et bali à prendre et puis les bali. Kounyen pour commencer ce service là, on dernier bali pour faire, c'est. Voilà. Côté. Si vous ne comprenez pas syntaxe là, ça c'est syntaxe là pour checker que c'est le premier bali qui a besoin de quitter dans Python, hein, pas besoin. Bon, je prends ça là, mon template qui me vient. Bon, je mets là, je vais tourner sous ça à taler. Et je vais dire pour qui ça a ça là. Et c'est et puis, bon, commencer à là. That run. Bon, ok. Si nous avons un microservice qui a exécuté, comme nous avons parlé sur HTTP, il faut qu'on pour le temps de souli, c'est ça qu'on a fait là, on a fait pour. Mais, songez que nous avons parlé de for service là, faut qu'on prenne l'exécuter là, faut qu'on défini de ces configurations côté pour dire mais comment pour exécuter mais comment mais qui pour lier ou bien mais qui est pour l'autre bail c'est ça que fait ça OS environ a pas ramasser d'un coup si on environment variable ou bien on va y appeler dans environnement les pour la utiliser lui ou sinon la panique utiliser 80 plutôt c'est ça on a fait là et puis qu'on y a on exécuter service ça là
et puis nous créons un service qui n'a pas 80-80. Et ça m'a fait combien? Hein? C'est. Il y a toujours un. Bon, je vais le cacher à tout screen. Non? Donc, on va regarder si ça marche. Je vais continuer à faire comme ça. Bon, je vais aller sur localhost. 80-81. Et puis, on a un. Comme si post nous était défini, si on post, on n'a pas obligé de faire pour bah là. On va faire post semaine pour nous. On a post semaine à ouvrir. Bon fait avec Curl Video. Parce que pour ce moment, maintenant pour ce moment, tu es ouvert déjà. Bon, on fait avec Curl et puis m'a montré nous ça. On a service à l'exécuter là. On a fait. Nous avons image et puis qu'on est en. Nous disons post n'a fait. Et puis, nous créons JSON. Nous créons un simple JSON qui a un nom. Nous avons dit c'est test. Et puis, you know, c'est content type là, application JSON. Non, header. Yep. That is. Mm-hmm. Merci. Je ne vais aller dans Flask Response là, mais je vais juste ça. Yeah, yeah. It's fine. H. Mais. Nous avons nous en calé et puis nous connaissons à retourner la même information. Mais Kounien, ça que nous avons fait, nous avons regardé comment nous mettre le service ça dans le container. On a utilisé Docker. Dans Docker, que ça les Docker files là qui sont utilisés pour créer un container. Ça veut dire Kounien, on a créé un Docker file, fichier les Docker files même, D-O-C-K-E-F. C-K-R-A-F-I-L-E. Et ça nous permet de la donner l'opcré Dockerfile là, on fait comme si on définit l'environnement pour service ou à exécuter. Moi, connaissais Python, m'a écrit, ça que m'a fait, m'a metté, m'a metté, pour commencer, on base sur image Python. Et puis ça que des 2.1, c'est version 1, moi, m'a utilisé 3.6 là. Et Alpine, je dis 3.6 qui est basé sur Alpine. Je choisis 3.6, je ne connais pas dernier, mais je crois 3.7 là ou bien il y a un autre problème. Je m'habitue à 3.6 là pour ne pas avoir aucun problème. Je fais ça. Et il y a l'autre bar qui a dit tout d'un coup, nous connaissons, faut installer des séries de dépendances. Et faut nous copier, faut décider parce que ça l'a fait, l'a utilisé l'image là, après ça l'a dit, ok. Qui s'en voulait mettre en dans l'image là, on dit pour copier sous code ou en dans l'image là, après ça on dit l'installer dépendance.
tant qu'on Flaskres Plus ça que nous nous dit nous besoin hein? Et puis n'a exécuter application. Bon on fait ça. Ça me bral faire, me bral créer un dossier en dedans image là pour me dire ça sont comme Linux créer un dossier under user sous app et puis dossier ça c'est là code moi appuyer ça me dit working directory ya, c'est ça et puis me bral dire kounia pour mettre dépendance. Pour dépendance Python m'a pas créer un fichier requirements.txt. Bien rapide là m'a défini qui dépendance m'a besoin bon, nous connais me installer Flaskres Plus là je suis pas habitué avec requirements.txt ça son bail Python spécifique to Python soit utiliser l'autre langue soit utiliser Node.js on bail Node.js ou carrément package.json qui est toute dépendance sur yo parce que les pour application déployer il faut application qui a commencé sans que pas rien pour tout bail yo installer là dedans sans que vous même pas obligé à l'installer bah en quel mode bah bon mettez des trois autres bah juste pour raison qui fait que on mettre ça pour le moment tout nous on a besoin de devant ça c'est juste parce qu'on a un problème dans l'autre version au décider en version spécifique kounia fichier ça faut dire mettez l'en dernier ou bien copier tout l'autre bah. Bon, kounia m'a tourné dans Dockerfile là encore. Côté m'a panik dit copier tout bail qui dans dossier en dans folder non, la copier tout bail ça c'est dossier côté Dockerfile là, copier tout ça yo en dans container non, image que va créer là. Et puis moi m'a fait ça pour le moment. M'a dit ça c'est commande pour utiliser requirements.txt pour installer dépendance. Ça c'est juste pour pas utiliser aucun bail qui cache déjà mais normalement on va mettre pip install et pour -r et pour finir. Kounia dernier bail qui était me fait ça pas fin trop nécessaire trop c'est plus pour documentation ou dire mais qui pour application à utiliser ou qu'à changer si vous voulez. L'autre bar là c'est qui commande pour application pour utiliser pour commencer. Il pas nécessaire pour faire comme ça de plusieurs façons. On va définir un entry point là avec un commande, m'a montré nous tous les deux ou bien on va dire mais qui ça commande là. Entry point là c'est un coup si vous voulez l'autre monde qui va utiliser image là c'est celle ça pour commande non c'est Python 3 on a utilisé. On dit Python 3, juste au cas où on a Python 2 dans container pour ne pas utiliser Python 2 parce que c'est 3.6 ça me plaît. Et puis, comme on a passé le bail, on a dit c'est service noir qui est pour l'exécuter. Alors, service noir, il est service.py. Et puis, c'est tout. Kounia, nous connaissons que le service noir fonctionne déjà. Kouni a fiché ça qui te permet nous pour créer un container qui nous a déployé n'importe qui côté. Il y a Heroku, il y a GCR, il y a même Kubernetes même pour nous utiliser. Ça nous a fait là, c'est comment pour créer image là. C'est Docker build dash t. Et puis dash t c'est pour bail un nom. On relé ça demo container là mal tag test là dès ça c'est après ça on va mettre dans conversion bah même je ça avec 3.6 pas même je sais le test pour le moment et puis pour dire ça on dit c'est dossier côté l'IA pour l'utiliser pour référence ça veut dire n'importe qui commande qui copier c'est dossier ça utiliser comme référence. Et donc, les mêmes bras, les bras battent pour vous. Côté, ouais, la douche à étape par étape, chaque commande ça y est, vous le râlez, et puis, qu'on y a. Qu'on y a, ouais, c'est des potes de ceux-là installés pour l'application qui a fonctionné. Bon, qu'on y a un container à créer.
et ou ka exécuter container ça ou ka faire ou ka exécuter image kounyon kon image pour container là m'pense nous te font live sur ça déjà m'te parlé sur container ou gon image pour container ou ka utiliser docker run pour commencer li ça container a rele demo container bon me dit tag test là m'garani qui fait ça comme ça et puis application n'a commencé. Ouais, la les commencer même genre que mais si me veut pour application m'entendre non pour port container là l'image avec un port qui sur laptop moi m'a metté d'HPA parce que me connaissais port 8080. On dit port 8080 c'est lui qui port 8080 laptop moi hein? Et puis parce que il y a 8080 qui existait déjà application là bye campé ça ouais ça a pas existé encore qui donc on va pour commencer à mettre dans l'autre terminal pour nous pour nous tester lui. Non. Ouais, pas gagné. On y a si me fait docker run. Il commence. On essaie de bien marcher bien. Bon, tout bien marche bien, application là. Nous ouais, tu mon requête qui fait qui m'a dit qui dit ce qu'ils font pause pour image. Kounia, nous va déployer si nous changer bien à architecture, nous il y a une application non qui peut aller à Slack qu'on nous fin nous soi-disant fin développer application non ça ne qu'a fait nous qu'a déployer sur Heroku bon choisi Heroku qui plusieurs l'autre code qu'a déployer container là gratis ou qu'a utiliser Google Cloud Run Google Cloud Run lui-même c'est Google qui baoli of course mais son bail nouveau côté qu'a déployer Docker container sur plateforme yo à la base utiliser Kubernetes. Et l'autre bail que celle bail que li gen doit difficulté pour moun ka Haiti mais pour ka commencer au moins donc pour ka faut qu'on crédit cap qui la donne même si ça au bon gratis ça pi bon que Heroku mais faut mettre ton crédit cap quand même si gon piocha pi on côté pour ka chargeo même les li gen des fois li kon difficile pour moun jeune accès à crédit cap qui va la international dans international là en Haiti. So, Heroku a pi bon pou si ou même k ap commencer. Bon moto ki sa, ka moto ki sa Heroku a bien rapide. Même pas pa, mise sou li trop parce que c'est pas sous ça. Des moyens. JP. Est-ce que ou obligé déployer container non image là non repository image repository tant que docker ou bien docker hub yeah. Mm-hmm. Yeah li pas pour me déployer m'pa vle aller trop dans docker image repository ya mais li pas nécessaire qu'a déployer directement sous laptop ou okay. Déployer image là sur Heroku mais ou ka déployer image là sur Docker Hub qui c'est ça nous là qu'on a un image repository ou bien image repository PAO pour ka déployer là ni tous les deux ni GCR là Google Cloud Run ni Heroku il pas nécessaire pour faire yon l'autre bail qui me devine réaliser pour Google Cloud Run il permet tout pour ni barcode là d'utiliser properties auto il propre environnement là pour environnement là pour construit application en container là et puis déployer sur Google Cloud là mais l'over ça on utiliser plus resources Google on utiliser Google Cloud Build on utiliser on l'autre by storage yo. Ça veut dire si vous faites ça trop il y a doit arriver mon côté yo charger crédit card tout c'est ça l'autre bas mais on te le dit font là déjà un peu faire font là bon, disons, les bons connaissances.
Je vais créer un service bien rapide, mais je vais fonctionner. On va aller là où on dit on crée un service. Si vous avez un service à la grande, il y a un dernier. De vous faire ça là, vous avez de parler, vous avez déployé l'application sur Heroku. Ça n'a pas utilisé, n'a pas utilisé Jean-Vladimir a parlé à Docker Repository. Ça y est, ou même, yon crée un repository qu'on a déployé image ou à la dani directement et puis li tout déploye comme service pour. Pour m'expliquer un petit peu plus sur ça, bon, retourner sur l'autre bail. Ok. Commande, nous avons plusieurs commandes Docker déjà, nous avons Docker build, nous avons Docker run, commande pour déployer image ou un, c'est Docker push, ouais. Yeah. Docker push pour push image ou un, on fait Docker push, mais on push li, ou bien on push li, soit dans Docker Hub normalement, mais on push li dans ça que Heroku ba ou. M'a fin toi songer lien exactement m'a chame changer lien c'est pour ça me décrire un script qui pour faire bail ça pour moi monter nous ça script là fait exactement il va faire trop bail nous te ouais Docker build a déjà ça le fait il crée en image avec paramètres qui me bail yo et puis l'utiliser ça c'est côté Heroku mette red registry que Heroku mette image li yo. Mais ça c'est image qui correspond à service par yo. Do a build li ou mette tag ça ou li ou balon non générique ou obligé balé non ça pour leur faire push là pour li ka konn ki côté pour l'aller. Après ça on fait Docker push côté la push même ba yo aller ba Heroku et puis Heroku même ou ka faire commande Heroku pour release li pour app avoir disponible. Bon, nous allons exécuter ça si me change bien comment ça fonctionne. Si me fait Heroku build and push pour m'bali Docker file là et puis m'bay après ça c'est non web pour dire que c'est un service web guard deploy, ça son thème que Heroku utilise parce qu'il y a il y a l'autre définition web là c'est lui qui gagne accès avec by HTTP by HTTP là et puis dernier bail là c'est non service là qui c'est demo container mon ligataire les demo container déjà on pas besoin à faire ton bail pour me le demo container parce que script là on prend nom à l'utiliser comme demo container. Là la créé image là et tout bas même bas été fait dernière fois yo pratiquement c'est même bas yo OK, m'oublier faire docker login là. On fait ça. Docker login avec pour ma login là. Bye. On a donné pour un plugin. On dit moitié sur écran pour un plugin. Ah, ben ok, pas de problème. C'est avec Heroku pour me faire login. Là. That's cool. Mets ton back sur écran. Ok, bon, une minute, juste pour me faire ça. Ah, bon, je vais chercher une information bien rapide. Je vais quitter là deux moments.
Jean nous ouais am de gadi et nous ouais Jean conception microservice là avec façon pour déployer là li aussi simple au fur depuis service ou ka marché et puis ou ka déployer ou ka package là avec Docker et pour déployer le côté voulez but Jean Blatab dia ça son méthode ça son c'est juste son méthode comment vous packager comment pour servir service là comment pour mettre service là available à pour faire service là accessible yeah c'est yon bay m'a dit tout à coup sou a utiliser par défaut sou créer un compte sur Docker Hub ou ka déployer image sur Docker Hub sans problème. D'habitude, l'on login, si vous faites Docker login, vous login directement sur Docker Hub. Vous utilisez non utilisateur avec mot de passe pour Docker Hub là. Mais tant que vous utilisez l'autre bait, tant que Heroku, tant que vous utilisez A ou bien vous utilisez Google Cloud Runner, vous avez des informations sur comment vous faites. Vous utilisez chaque utilisez token pile. Mais après, retourner, rebâtir tout bail encore. Non, je ne sais pas comment vous push là. Fais ça là, ok, kounya on fait Docker push là, kounya la push li by Heroku et celle by qui était me fait kounya c'est release là. Maintenant c'est fini. Fini, tu vas fini. On tourne sous ça et Kounia. On check qui ça comme ça. Web app name. Parce que m'bat exécute la baguette en fini, m'a fait commande manuel. Kounia m'a dit, va release web là parce que son web l'aime créé, là c'est web IT. Et non, app moyen de créer un Heroku, c'était demo container. Et non, donc dash dash app. Et puis, bâton. Bon, pour nous, on a un service, on a un simal là, on a un Heroku. Bon, changer l'écran. Donc. Si je suis allé dans Heroku, je vais regarder si je vais get. Je suis allé dans Heroku, nous sommes là, c'est consulté, je me refresh. Je suis supposé dire que je vais avoir un service là. Je vais mettre web, service datapack qui est on. Si je besoin de checker l'application moyen. Normalement, m'bat défini en kenbay, t'as qu'on m'bat défini en kenbay pour slash bar là, mais si m'bre ça là, m'al fait même curl m'te fait avant. Bon, m'fait m'ka fait le nan boise, m'de si, bon m'chi kon bay. M'ap bije kampe share live m'toune, m'pap toune top sou boise encore. Demo container. Kounia, même quoi, ben nous t'as utilisé pour te tester ta l'air, c'était ça. Kounia, au lieu d'utiliser localement, nous allons voir sur lien côté bas, nous allons déployer sur Heroku. Nous fait lien ça à part et puis image. Ouais, bâton l'image. Et nous cachons qui log nous yo pour nous qui. Information ça vini dans service nous on aller sur Heroku checker log là mais l'autre bail que on va faire connier m'a prend ça on va la guerre de moi si gata toujours donc 5 OK un petit moment toujours m'a prend lien ça là on va la guerre dans bail Slack là et puis m'a tourner vini. Ok, enregistré. Bon, bon partage écran avec nous.
Je dis que je suis web là. Côté. Oups. Les deux font pas séparément, mais. Bon, on a partagé comme là. Et comme là, oui, ok. Kounia, si nous allons sous service noir, ça y est, on va checker log yo, même ja, log service noir. Nous, côté de fait image, on va faire test là, bali, bon, moi, au cas où elle là, c'est. Mais, yeah, bon, moi, il fait requête là, pendant la gâte ça là. Ok. Bon, ouais, je fais que ce fond requête là, ouais, il remonte niveau et information, ouais, requête la fête normalement. Mais l'autre bar là, tout, c'est que je mette le bar Slack parce que je mette pour Slack, je décris, on s'arrête en Slack. Ah, bien, avant ça, je me dis pour. Si on moun là qui sous Slack là, on va tester tout si vous voulez, bon, moutou. On partage Slack là avant pour ka wè. Slack. OK. So, ou ka essayer chat avec on n'importe sous chercher test. Ça qui me fait, ou ka Slack permet de créer ça le chatbot, bah ça nous connait chatbot. M'utilise URL pour application nan et puis image pour voir le bali parce que me connaît ça capable font pause. Si m'aller là n'importe qui ça me taper m'envoie le bali m'ai droit mettre ton image là dedans et puis depuis message ça aller application m'nan même la recevoir un post qu'a bien bah là m'ka montrer nous ça bon partager m'ka partager tout écran nan même pas quoi il doit pas bien paraître bon mais c'est on garder pour qu'on voit tous les deux en même temps ah. Côté tout écran, enter screen. Ça va bien monter, pas vrai? Est-ce que mon cas ouais bien là, Dani? Non, non, tu j'en pitié. Ah ben ok, bon fond bas est bien rapide là. Ah, on te met campé écran pour me gérer ça, bon. Non. Ok. Mm-hmm. C'est qui URL là encore? C'est demo-container.heroku.com/image. Yeah. Mais ou même on va pas l'utiliser, on va pas l'utiliser ça. C'est juste Slack là, ou ka aller ouvrir un message by test et puis m'a montré que application n'a recevoir li et puis après ça on ka mettre un autre service pour recevoir information ça qui yo te voye bali. Bon, je fais ça bien rapide pour nous. Si ça va pas de problème. Pour mon petit, on a un petit parler, un petit problème. On a un petit parler toujours. Ok. Ça n'est pas dit là. Et. Well, nous déjà défini. Oui, oui. Yeah. Moi, tous les deux. Vous avez toujours? Yeah, nous attendons. Je ne sais pas si tu es nous en dois, mais. Nous en dois. Nous en dois? Yeah. Ah, ben ok. Yeah. Yeah, on va me déconnecter là, accident. Yeah. Ok, ok. Bon, partager ça avec nous bien rapide là pour montrer nous. On fait ça comme ça.
OK. Bon minute. Yeah. Well, okay, so on va faire ça, on a dit un petit rappel bien vite et qui ça microservice. So Jean Blad a dit microservice n'a pas rien à rapport avec grosse application, c'est plus en conception côté où l'on bâti application là ou fait en fonction qui pratiquement sont en service lié. En gazou gen un paquet de fonctions non seule application but chaque application et qui service là li et pratiquement c'est son seule fonction que en seule fonctionnalité que li spécialisé la donne. Ou préparer pour cher et JB moi yeah. Bon mette ba là yep bye. OK bon tout carré comme là bon nous te ouais genre tant que l'aime stress ça là ouais les recevoir mais connier comme mettre le ba Slack là si me bon message là dit hello connier la recevoir tout la recevoir post là connier Nous devons faire comme si n'importe monde qui besoin à collecter information sans besoin me dit OK on écouvre Slack sous test et puis aller dans l'arrière faire photo et puis taper texte description et puis voler sous chat test là et puis service moi recevoir les qu'à collecter et puis bâton connait comme des dit si nous devons faire l'autre partie devant nous va aller sous pour nous faire application pour nous ajouter un petit cal plus dans l'application nous parce que pour dans moment là il pas fait rien il juste prêter bio et puis il fini donc nous tourner sous service nous encore ça nous ca fait connier un avantage nous quand nous t'ai parlé ça une fois avant encore une bail que avantage on utiliser quand tu es venu bail là c'est le fait que on dit connier besoin MongoDB sous qui sont base données sous ordinateur maintenant m'ai pas obligé à installer MongoDB car on est allé container MongoDB hein maintenant il fait donc Mongo comme de get again déjà et puis m'ka exécuter pour commencer pour application dans cavala avec lui bon faire ça bien rapide m'te gain 3 bail là capro bien rapide c'est mieux comme du déjà quand il fait ça même docker run me fait juste bah on non et puis me dit mais pas pour les bah là et puis qu'on y a me rajouter tant que l'autre code pour application n'a pas aller avec MongoDB j'aime d'ab dit nous on me essayer de template m'habituer utiliser pour les m'a créer application pour pas obligé à réécrire code encore si tout c'est garder ces des principes pour suivre l'op coder ou pas venir pour tant que chaque fois pour chercher pour ou même sous prendre pas songer tout on doit utiliser un template qu'on gagne déjà en côté tant que toujours utiliser tant que une application ça qui me fait déjà qui sont l'autre bail qui gagne tout bail pour faire communication avec MongoDB on prend les trois parties là dedans kounien l'autre bar là nous pral créer partie tant pour base données hein pour ekti anrele db et puis kounien nous pral créer un fichier pour configurer base données tamay on va en faire son package pour lui et bien kounia m'kan ni graler ça parce que tout ça son problème m'a pas ni graler et puis m'a expliqué nous qui ça oui
ba on ti zoom. Ah, ça n'a fait là. C'est m'a utilisé en librairie écrit les PyMongo. Qu'une information ajouter dans des l'autre départ de ce mal ajouter encore. Mais ça PyMongo ba ou, l'utiliser ou ka utiliser le pour configurer ta cobaye pour m'a dit Flask PyMongo, bon corrige tête. Flask PyMongo libao utilisé li basé sur PyMongo qui sont librairies pour utiliser Python avec MongoDB qui c'est base de données qu'on a utilisé là et Flask PyMongo lui-même libao en façon facile pour intégrer avec en application Flask. Si regardez bien ça qu'elle fait ou gagne en base de données PyMongo qu'on créé qu'on ramasse dans Flask PyMongo là et pour configurer n'importe qui Flask app. C'est ça méthode ça fait. Là on fait ça et puis là il prend une information pour une base de données en côté et puis il configure ça. C'était une qui était là par défaut. Par défaut je dois quitter sur localhost. Une minute. Bon, on va tirer des fois. Là qui te le pense à vous le moment. Alors marcher en variable environnement pour MongoDB et puis les configurer li et puis les initialiser li. Partie ça là c'est juste pour on le bail. On fois nous t'ai parlé avant, nous t'ai dit faut qu'application utiliser tant que ça les bases de données pour ressources. Ça veut dire application pas supposé la tonne pour mon configurer base de données à pour qu'elle utilise base de données. Faut qu'application qu'a configurer base de données à j'ai besoin pour le capable d'utiliser. Et si a si base de données aller tout faut application pas ta supposé capable crash. Il y a différentes conditions pour application fonctionner bien lors déployer en tant que un microservice dans ça les cloud native by ça ou pas. C'est ça lui même ça l'a fait. Elle me dit ça tant qu'on dit base de données a besoin on dit si c'est un SQL base c'est en base de données SQL à utiliser, il y a des séries de tables, il y a des séries de colonnes pour gagner. Faut qu'on bien définir pendant l'application commencer pour lui vérifier si on là pour si on pas là pour lui même lui configurer. C'est ça les DB migration, database migration. MongoDB pas vraiment besoin ça, mais pour gagner des séries de collections qu'on doit besoin et c'est ça que ça même à la série que lui gagne que il y a collection qui là pour le pas obligé à le faire l'autre bail. Bon on ben ça là migrations et puis on créer un fichier python pour une migration et moi je montrer qui ça va mettre là dedans créer image créer collection image. OK, qu'on y a un cal copier une série qui assez simple. M'a changé bah la donne, pas besoin de tout ça, on seul pas tin besoin. On pas besoin ça. Bon, ça a fait ça. La utiliser MongoDB pour créer en collection. Sa collection c'est presque un comptable soit habitué avec un SQL Server, so quand sa collection est déjà pas un problème. Ça le fait que on est utilisé ça comme ça on dit OK créer collection. Et mener les collections image. Image. On dit Slack image. Image Slack. Et puis si un problème pendant la créer là faut capable tourner derrière ça le fait soit fait soit dit là ou même on dit là OK s'il existe des si un problème ça te créer pour retourner derrière c'est ça downgrade ou retirer collection ça parce que ça c'était et puis bâton et dépendant ce qu'on a utilisé pour faire ça yo nous t'ai parlé de PyMongo déjà moi là les PyMongo à mettre là bon garde qui version pour prendre Flask PyMongo c'est 2.3 et puis l'autre là c'est Mongo migrations qui permet de faire migration Python là m'a dit migration MongoDB et puis qu'on y a là
migration Peter. Kounya pour mettre bon racine que tout bas en forme. Ça me ka utiliser le kounya na application nan pour me décider OK mais qui ça pour utiliser. Bon me tourner dans service moyen. On va dire OK, on va application nan commencer faire tout bas, ça va bon configurer pour l'utiliser MongoDB hein. On va importer lui comme ça. M'a importé MongoDB en tout et puis me dire OK, utiliser MongoDB. Parce que m'te ga ça prend li besoin application là avec au bal MongoDB pour configurer là. Vous allez bien la première application là avec objet par Mongo là pour les configurer li pour le mettre ta ko UI côté pour connecter à base de données là et puis cool fini les mêmes là le fait migration et c'est dans dossier migration c'est pour ça me créer un package même dit dossier package migration c'est pour ça me écrire n'importe nom qui me veut là et puis l'exécuter migration connait un service là cap commencer à connecter avec une base de données, on va utiliser le symbole qu'on pour utiliser DB, bah c'est ça, retourner des bases de données. Ah non, c'est Mike, pas mon quoi. Excusez-moi. Qu'on y a pour utiliser, on va faire ça comme ça. On dit besoin enregistrer ça qui me recevoir là, ça qui me recevoir là. On dit me voulez enregistrer une partie là-dedans, qui doit pas enregistrer toute. M'tegade API il y a déjà pour me faire ça bon m'utilise log pito log on les utilise point print là mais disons l'autre bail juste pour les cas formater bien les nous déployer pour qu'on voit exactement ça qu'a privé dans l'application combien qu'on a ces informations là juste pour changer des login des bon mettre ça là bon mettre là et porter ça c'est un bail qui est dans Python directement. Mais utiliser ça parce que c'est ça qui log pour Flask. Pour tout bail ensemble. So, on va changer ça pour me faire. Donc, la printe le tout même genre, mais c'est le bagay, la bo plus information la printe là. Mais qui méthode qui printe, mais qui classe les outils, mais à qui l'est le printe là, ou bien toute information ça dans log là, dans la donnée. Et kounyen ça me ka fait on va ramasser information dans ça pour me faire ça besoin mon connais me dit que tu garder c'est ça fait me te montrer nous qui ça poste là putain dans ça même dit que tu garder déjà les grands parties qui gagne en body comme ca me quoi me gagne là toujours un exemple, on va montrer nous. Yep, OK, mais on va pas zoomer. Mais c'est ça Slack là va le voir bon moi. On connaît là bien un body et puis là bien l'autre information et puis là bien texte que me besoin là dernier et maintenant on va ramasser directement et c'est on va pour me faire ça bien rapide. Body. Text. On va répéter ça trop. OK, bon, ça va bien rapide. Image parce que on doit avoir un message je te dis avoir un message avec une image dans Slack là lui même là number div files quoi oups
event files et puis on liste zéro et puis bon on a le courant information ça files et puis on va mettre download URL là peut-être. Après, il download, on fait ça comme ça. Pour le moment, eh bien, on a pas mis log li après. Comme on a log tout ça, on a pris le lien pour nous log information ça. On a les objets à rapport, son rapport au monde banal, qui ont information. On texte, c'est texte, et puis il y a image, qui c'est image, oups, et puis nous avons un rapport, et puis au lieu pour nous log tout le bail, on n'a pas de log rapport à Pito, on a un qui s'en joue, et puis après ça, on a ajouté la base de données, on a dit MongoDB. Da point on y a l'on fait ça comme ça ou pas ni qui utiliser non base de collection de créer on y a fait DB et pour faire non collection de créer qui c'est dans sa image Slack ou bien doit utiliser ça c'est juste syntaxe par Mongo et pour qu'a dit si je me souviens bien c'est insert one. On va vérifier, bien rapide. Oui, avec underscore. Yep, there we go. OK. Insert one, évoquant Bali, rapport. Bon, ça va ajouter la base de données loin, et puis bâton, et puis bâton. Bon. Nous avons MongoDB ça là qui crée nous ca pointe ça nous ca fait nous ca exécuter application là et puis nous pointer application pour connecter avec base données ça que nous gain là Januaire pas rien que nous fait nous pas configurer base données nous juste nous on commencé li puis nous dit mais qui proposer ça veut dire localhost ça c'est la base données nous yé. On l'autre bail on passe qu'à bon pour me ta faire tout pour me ta ouvrir mon gros espresso pour montrer que pas rien après ça il vient ajouter dans base noire après ça me déployer li pour nous voir côté n'a configurer là par contre si nous gain temps nous gain ah il gain temps 5 et demi non pas venir dans tout ça n'a pas ni bon moi montrer nous que bon moi connecter là avec après ça me déployer li pour l'utiliser directement dans là ah bon faire ça bien rapide là pour ah, je vais bon, mon minute, on fait un bail. Ah, format, ça a besoin parce que si mon fait ça, et puis le co-host, il n'y a pas de problème. J'espère qu'il est content. Ok. Est-ce que vous avez un port? Vous pouvez utiliser port là par défaut, mais. Bon, mettez-le juste au cas où. 2, 7, 2. Ok. Bon, on commence l'application. Ça, lui-même. Service. On regarde qui ça. Oh, bon, bah, il va marcher. Non, il faut. Provided. Ah, il va aimer ça qu'il te fait là. Ah, ça c'est migration, ça son autre bagaille. Voilà, on va faire ça bien rapide. Là, si vous pouvez connecter. Ah, ok, moi qui s'est passé. Ah, parce que pas bon, l'MD créé, exécuter MongoDB, je ne pas de balle non, base de données, il y a un lien ça. Parce que on lien pour base de données par défaut
ma fin tout assonge qui s'allie, même quoi, c'est Mongo, BTS, bon, mais c'est ça, si là, ça m'a cherché sur Docker Hub là, pour moi, ok, mais il fonctionne, bon, bon, petit zoom, il commence à l'application, qu'on y a, m'ka, si me fait, même que l'on a fait à l'air, là, bon, il y a ajouté information sur ça, mais nous connaît format différent, ça veut dire, si m'utilise ça comme ça, il pas fonctionner parce que, parce que l'application, non, la tonne qui est pour le bon body avec les vêtements et puis texte et puis tout bas ça yo qui nous nous quand on mettait un petit bas parce que ça a rien doit pas facile pour les gens d'hier là pour nous car ouais qui s'en bat là test json format on met la ça là comme ça ouais format format moi pas de bon déjà qu'on va qui me pas de mettre F ok, nous devons bracket pour confirmer, mais qui s'en va aller à my body, event text, et puis files this. On sort de tiba et minime de ce qui va recevoir. Oh, mauvais. Problème dans la ou bien trop. Bye, ouvert. Kounia, nous connaissons des billets en bracket, mettons l'autre. Nous allons voir le balai, nous connaissons fonctionner très bien. Qui donc, Kounia, si vous allez retourner le bon mot, pas gain qui crache. C'est qu'elle a ajouté li, qu'on y en a mette yon API bien rapide pour ba nou list image yon, so ça n'y a fait. Nous quand on prend ça comme ça, nous copie le, on a changé le talent. List image, list image. On va obligé suivre même format à suivre là, chaque monde qui est format par yon. Mais ça c'est juste format que moi je vais utiliser. Et puis qu'on a utilisé MongoDB, DB. Non, nous débat là, image Slack. Je vais écrire tout net tout comme ça. Je vais faire un bon menu. Et puis, bon, regardez moi ce que c'est. Bon, moi, puis ça, ça bon. Moi. Gagne toi petit problème comme ça bon bon moi qui ça ça bon oups et bon moi exécuter application encore il commence normalement au lieu que me fait pause là qu'on y m'a pas ni font on get on quand même monter nous ça dans browser car combat qui pas marcher là et bon ouais ah moi les affaires là écoute vous t'êtes en pousser le mal ça non non beaucoup pousser lui c'est juste c'est dans le coco samedi toujours ah bon yeah so ça me pouvait le bail mauvais moi j'ai faut rappeler ça j'avais dit test ça pas marché me pas bien fait lui c'est dans le coco samedi fait lui oh ok ok bon j'ai dit d'aller faire là sans vérifier oui. On va tester la production. OK, il marche connia. J'ai dit d'aller faire une requête qui va prendre bon moment hein. Connia bon ba aller dans local host là. Il dit list image, ça c'est m'ajouter ça connia. Ah, il pas marché. Bon regarder qui ça pas marché hein. Bon, allez dans l'application.
Police image, il va arriver, je ne sais pas, non. Quelle est ce container qui a exécuté toujours, non? Liste image. Oui, qu'elle n'a pas arrivé. Semble le container qui a. Yeah, non. Ça son l'autre raison, c'est parce que ID n'a pas sous laptop m'a utilisé m'a cher là. C'est sur l'autre système que me connecté avec pour mettre IP address système là, ça fait ça. Yeah. Pas un problème. quoi c'est ça, c'est pas trompé. OK, mais bon bail là. Quand il y a un bon bail qui va marcher, je vais go to. Hein? Mettez font yo pigo. Oh, ok. Yep. Yeah. Kounye, gomba ki sakri nive la, se ke, gen yon nan bay ki le retoune yo ki pa serializable, so bay ki rive ase souvan avèk MongoDB, avèk MongoDB menm, paske gen yon obje yo ke li pa ka, mpase se idea, pou mfe sa bien rapide. Apre, yeah, après que tu mettes your find, juste mettez bracket et curly brackets, comma, under find, non? Et puis, comma, non, après curly brackets, mettez comma, et puis mettez ID, underscore ID, quote, underscore ID, with the quote, yeah. And then, deux points, et false. Ah, ok. Yeah, pour projection, pour le cas où retirer le JSON, okay. pour le cas où retirer serialization. Ok. Comme ça? Bah, oui, oui. Ok. D'habitude, moi, quand je mets la serialization même, moi, j'ai une idée, mais ça a son bon façon de rapide. Yeah, je juste mets la query d'habitude. Ok, kounye, on ka fè ça là. Oh, li pa remen nou. Ça le dit là. Ah, toujours pa remen ça. Bon, ça nous a fait bien rapide. Nous ka checker pour nous qui ça a fait là. Donc, le run, il y a ça. Regardez, tirer ça là. Ok. Menye ou ka fè wikèt la. Salde di wè, e se ou yal di chan. Mou pa la toujou, li pa ka parse li out. It's been in session. Oh, bon minute. Mou kwe gomba ek mou pa abye. Mou ap return ni ya. Non, that's not my shape. I'm gonna do more. Okay, so pendant JP a petit bug là, on a dit on l'a rappelé encore de microservice aujourd'hui. Yeah, il a done, but for some reason, il pas va. Il me crée question. Il juste besoin pour me rappeler nos list. But mal fait ça là, bon fait ça. Okay. Yep. Yeah, juste besoin pour me rappeler nos list. Okay. Bon fait ça. Oops, pas là. On fait le constat pour le moment. Vous me gardez bien rapide. Bon, et puis nous repartons encore. Nous sommes en défait post là. Ok, venez. Nous sommes en défait post, nous ajoutons image. Bah, ça, texte URL. Normalement, comme ça, dans la base de données,
kounyen sa yo la, kounyen lot ba, ksan nou wale fè kounyen, nou wale rekonstri kontene nou an, nou deploye li, e pi nan panik itilize Slack la pou nou kamete ba yo. E pi ou gete wè kouman ke nepot ki fronten ou gen wè itilize pou ba ou lis imajo, pou mbre fè sa bien rapide la kounyen pou nou ka ba li, se nou pa pedi tan. Ça est bon, je vais utiliser comme ça. Et puis là, pour construire pour moi. Et pendant ça, pour construire, je vais arranger pour qu'il y ait une information, base de données. Avant que je juste configurer ça pour une base de données. Basse retirer mon boîte là cela mais bon là basse au cas utiliser cap bien passé basse bas quand même ma blague disponible encore non ah yo qui doit installer le jour qui ça non M la blague moi yo qui doit installer le jour. Ah, oh, ok. Oh, il y a pas seulement qu'on expire. Pendant, il y a deux, trois personnes qui disent, you know, good job, you know, that's great. Bon, mademoiselle qui dit, share the large, guys. Bah, continue tout le temps de bad blagues, ça, c'est, on me donne un pasteur qui pas de connaît, mon dit live. Et puis monsieur voulait dire mon pour share live là et puis monsieur le large mais vous êtes ça et mademoiselle ça fait allusion à elle gon l'autre qui m'a pas trying to figure out what that was yeah. Le pasteur va lancer non mais non on va comprendre yeah so go ahead so je suis de toi mon qui déjà juste à dire allô. Non, ouais, bon, ben, bah, yo, là. Yeah. Non, là, mon t'es, t'as qu'on, l'un d'un bas, que yo, quoi, bah, ou qu'a ajouté, t'as qu'on, ça a les add-on, yo, t'as qu'on ajouté M, la, bla, là, et automatiquement, ça le fait, l'ajouter, d'essayer des configurations, des caps disponibles pour, comme, en tant que variable dans l'environnement, là, t'as qu'on, les bon, yo, elle, mon GoDB, là, que M, là, juste, bah, en base données. MongoDB qui sent rien là-dedans, même j'en note, ouais, note créé, nous rallé à Youn avec Docker Container, kounia. Ça que vin fait, parce que nous fait l'application, nous retire, nous retire attachement avec base de données, hein, vin t'en ressource. Nous avons retiré base de données, nous développé avec là, et que nous utilisons ça là. M'pense que ça nous fait que ce fait aller à comment dans tout déployer li. Ouais, li construit container, on va retourner sur ça encore parce que n'était parlé qui ça va faire, il déploie li avec nouveau ça nous mettait là kounia nous gen doit garder une bar que ça va pas être une bar que si on regarde l'application nous ca aller faire list image kounia list image yeah. Le swagger va être comme ça, ou bien on va juste mettre swagger dans JSON pour qu'il y ait un enabled by swagger. C'est parce que, à cause de proxy, le proxy server, mais ça fait pas de temps d'habitude. Yeah. Comme le monde qui dit, il va falloir comprendre, if you can write, if you. Can't write in Creole. Bon, garde message. Qui sa question est? Non, il va pour nous. C'est deux monde qui parle dans le chat. Ah, ok. Pas un problème. Bon, merci. Une application déployée. Elle est déployée. C'est aussi frontline tout. Bon, regarde. On va faire ça. Ah, ben ok. Pas un problème. Liste image. Ça, t'as supposé bon. Les images. On a un bon mal dans le log là, bien rapide. Pour moi, qui ça fait? Ah, bon, bah, il est pas fait. Hmm.
Easy Collection, tu es là déjà. Image Slack, tu es là déjà. OK. On va croire que tu as ça déjà. Bon, moi, c'est reparti, reparti. Application. Ça va, drôle. Yeah, il parle de faire migration parce que ça a été là déjà. Il y a bon fond bas bien rapide. Je vais retirer ça dans M. Labla. Je vais recommander. Yeah. David, tu l'as souvent, c'est pas les gens de EOS, non? Quand la collection a été là. N'est-ce que tu mets ton protection sur lui parce que. L'a utilisé par Mangoa, pas Mangoa. Si collection va là, le créer, c'est là l'utiliser. Yeah, exactement. Yeah. Implémenter. Yeah, c'est ça que je veux parce que m'était trop chaud. M'bat blé mal courir essayer à payer pendant l'application déployer. L'aime bien faire, m'kaik tout expliquer ça. L'aime bien faire requête là-bas à payer. Li même là parce qu'il fait ici image là. Pendant ce temps migration beaucoup même fini pour fin créer ça. L'aime bien faire l'appareil Mongo lui même il tout déjà configuré pour depuis si monsieur utiliser image Slack, s'il pas là tout créer les gens ouais avant de l'abdi hein. Ça veut dire il vient créer qu'on migration même a fin fait pendant que la PC créer, il gagne là déjà et puis il vient en migration on dit version bien hein, parce que si la migration fonctionne les mêmes chiffres vous mettez devant là c'est les versions hein. Il dit ou pas version 1 même a PC créer image Slack là. Mais il a déjà m'a continué m'a pas commande base de données là m'était supposé mettre protection là même m'a mettre le comme ça on démon a fait bien rapide mais kounia ça m'a faire m'a en écrit rebalancer bon moi retourner dans log là encore et puis m'a reparti application moi balance tout bail et puis il a supposé normal. Okay, we have a lot of problems. Oh, imagine utilizing migration number. So, I'm going to go. Yeah. Boom, 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 bye. It's rapid. Because I'm not going to create a collection of information for migration, on va voir si parce que mieux exactement même bah là, on semble le faire, ma panique désactive migration pour le moment et puis me déploie à lui, mais il t'a supposé yeah, normalement, tu as supposé qu'on l'autre collection qui a information sur version, yo, mais moi, elle n'est pas là. Bon, on fait ça bien rapide. Bon, bon minute. Bon, allez, vas-y, trop de temps. Bon, on va désactiver l'immigration. Parce que. Yeah. Désactiver ça. Fini. Et puis, moi, il est pas à l'application. On va en faire un peu rapide. Je vais te fermer ça. Ça, c'est le bail là. Fermer ça. Et puis, fini. Ça, je peux définir ta l'air. Vous voulez continuer avec partie ça en l'autre live parce que le sujet ça tourne comme continuer avec le yeah, non, il est presque fini. Pratiquement, on se le bail qui me fait que le déploie et puis nous fini. Yeah. Parce que nous pas montrer partie. Yeah, nous allons continuer partie ça quand il montre vous utiliser un front-end peut-être. Yeah. Ou bien vous nous avez plusieurs microservices simples. Côté une parle avec l'autre genre de base. Yeah, exactly. Ou bien, on dégage un microservice, c'est Mangoa, et puis l'autre microservice, c'est PIWA. Yeah, exactly. C'est exactement ça.
démonstration ça y est. On dit ça pour public là. Kounyen tout bay, bon moi tourner là encore pour me cliquer les images là. Nous on pas rien image non bay là. Ça me ka fait me ka aller sin songe acheter team de montrer nous bon moi c'est là toujours papa papa. Ah oh maintenant. Acheter team nous on dit cela qu'a voye image à balle. Me ka en écrit là. Fais un petit jambe bigo. Bigo. Yeah. That's good. Parti ça nous pas privé la donne mais c'est ça on a fini là connu. Mes services nous mes pages qu'a ba list. Bon zoom list image yo et puis mes Slack ça me ka fait malina ça bon tape une image ça c'est une image yon image et puis mal mettre une image qui sur ordinateur on cherche une image qui intéressante on va prendre ça. Oh, mon proposition, oui, mais... Hein? Non, I'm kidding. Non, inquiète. Dossier ça. Quand il y a un beau image, on garde ça qui vient dans l'application, si on va y écraser, Mais ça me dit, on a dit le log by avant, parce qu'il n'y a pas de body. Non, ça va. Yeah, exactement. API Slack là, bon logly. D'après ça, me well, t'es gagné. Bon check bien rapide. Image sous dit trop rapide. Bon prend ça là. Ah, là ça me besoin non. Qu'est-ce que Slack? Et bon copier ça. La gueule JSON formateur. Une carte ok. Bien body. Ok. Une carte. Bon log, moi ça le gagne. Parce que. Normalement, là, ça fonctionne. Ah, on a mis. On fait ça, bon blague JSON là, on va ici fond bail, et puis pour le cas plus rapide, bon fond bail. On va déployer plus rapide, prochaine fois, ça m'a fait, m'a copié requirement.txt là avant. Et puis, je fais ça, après ça, mettez l'application. Ok. Ça, je juste mettre ça avant parce que si vous regardez bien, à chaque fois que vous reconstruisez, j'en dois que fonctionner. Hein? Si pas grand qui change, la puis utiliser. Donc, chaque ça a son étape. Si pas grand qui change dans l'étape avant, yo, la panique retourne dans l'étape bah, là. Mais peut-être que nous avons eu ça en vend les côtés de style et tout dépendant. Ça qui vient arriver, chaque fois, pour nous rebâtir tout bas, nous sommes obligés de réinstaller tout dépendant encore. Mais pour me faire ça plus rapide, ça me fait, je vais mettre ça en l'air, ça veut dire ça ne connaît pas besoin de changer. C'est application seulement code application a changé la retourner là encore prochaine fois le m'a battre la plus rapide quand on ca tester bail pour nous voir qui ça va passer application pare et puis nous ca retourner dans appio nous voyons l'autre message on tape n'importe qui bail là en image comme si c'était n'a testé nous ca mettre point image ça nous voir le bali bâton et puis nous voir il printer image qui ça pas bon la donne. Il y a token, des images, il y a type, mais nous pas ouais body, il y a body, c'est exactement ça lié.
Ça veut dire, nous pas besoin de chercher body, on est allé à chercher barrière, puis nous avons un event, et puis un tag, bah ça. Kounia, ça n'a fait, n'a tourné dans le code nous, hein? C'est ça, m'te suspect, oui. Mais, ça, bon côté de bon menti, le dit body, a de gen body, gen est la parler de body Jason, non? M'te mettre retirer ça là, retirer ça là. Et pour me rassurer que c'est ça vrai, pour me lag, il va bien formaté. Je vais laguer dans quel côté. C'est ça vrai, bon, checker ta courbe phase et puis va ton. Bon, on a. Je vais montrer nous, j'aime dire, qu'on est après les plus rapide parce qu'il tape ça, il va prendre tout là-dedans, ouais. Il y a dans ça directement et puis il est en fin de battre. C'est raison ça que je vais mettre dans l'air. Ok. Et puis, qu'on a déployé l'application. Ok, tout va en forme, application n'a pas arrêté. Bon, même message encore, ça c'est un test, combien? Ah, un bon test qui a une image. Bon, on a des qui ne sont pas bon encore. Qui imagine des bottes à l'air, ça, 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 mais il y a une image. Après, ça m'a effacé. Et puis, il voit sous ce lac-là. Et puis, les recevoir les bâtons tout bas. Ah, bon, l'autre bas. Mm-hmm. On est dans supposé trial. Bon, on est bien, mais t'es parti ça. Ça, son. L'autre bas, ça a fonctionné, mais bon, l'autre bas. Ça, c'est un bas qui grand pour MongoDB même. Bon, ranger ça bien rapide. Je dois passer à ça. Est-ce que vous avez le contenu MongoDB en là, dans la console là? Oui, je suis en train de le faire, mais il n'y a pas de problème parce que il y a une erreur exceptionnelle. Oui, je suis en train de le faire, mais pas pour gagner la dernière. Ah, ok. Je suis en train de le faire. Mais c'est juste un bail. Juste on sale des petits en configuration pour mettre dans fin ça là à cause de MongoDB bagain by retryable pour moi ma celle là ou gain juste pour mettre retryable retry write force là dedans on configuration vient changer même j'ai l'impression que pas mettre dans by variable qui fait ça m'a besoin de déployer m'a pas que démarrer application. Et puis, audio. Il est arrivé à l'édimage. Ok. Je me suis posé ça. Je me tourne dans Slack encore. Je vais appuyer ça à un message. Yon le message. Et puis, mettons. Bon, regardez ce qu'il y a. On va nettoyer ça à la dernière. Bon, on regarde comment ça est. Ah, pas grand écrasé, tout va en forme. Kounia, nous avons checké API nous pour regarder les images. Bon, nous avons mis les images. Ça veut dire que nous avons utilisé et nous avons des bases de données. Pour. Bon, nous avons dit que c'est un bail qui va ajouter d'air parce que nous avons toutes les démarches qui fait mieux. Mais nous avons une base de données en tout, nous avons checké pour nous voir qu'on y a une information qui a ajouté avec texte et image. Et puis, ou quand même, ça c'est un service qui tout dans ça, qu'on y a un ça là comme ça, ou qu'on crée qu'on y a un service web qui simplement utilise des images là, et puis lister, nous avons vu Jean Estelle, te montre nous, j'ai fait une application pour lister en simple. Giphy, ou qu'on fait ces mêmes gens, au lieu d'utiliser API Giphy, l'utiliser API pour la qui va les images, et puis bon, les images. Ou qu'on réutilise exactement même bail. C'est ça, moi, j'ai envie de faire ce temps, mais pas de temps. Moi, je me quitte là, nous voyons que nous bâtissons application, nous bâtissons application normale, il y a n'importe quelle application qu'on a bâti. Moi, j'utilise Python, j'utilise Flask++. Ou te ka utilise Go, te ka utilise Node.js, n'importe qui sa vle ya, et pou kreyon Dockerfile pou ka bati kontenè ou bezwen,
et pour qu'à partir image ou besoin on va peut dire conteneur image conteneur au besoin pour gagner image on va déployer côté au besoin Jean Vladab dia gagne des bails qui fait ça pour directement Hiroku qui a fait ça tout côté au bal code là lui-même il prend code là il comprend ses Python il crée conteneur Python en bout et puis il déploie lui mais là on devait monter nous parce que l'on gagne Docker conteneur ou qu'a déployé gagne un pilote côté ou qu'a déployé sans problème ou qu'a fait ça dans ça je me dis Google Cloud Run ou bien on qu'a quitté image là dans Docker Hub ou tant que là c'est ça c'est image me créé plusieurs fois vin service ça c'est une live nous t'a fait avant on devait faire service ça là ça veut dire qu'a râler n'importe qui l'est pour utiliser bon ma camp il y a les petits en ville fontla petit en ville mais ça c'est sous Docker Hub là ça me dit c'est vin service ça c'est une live n'a fait avant yo qui m'était utilisé ça c'est l'autre pour image que moi-même moi utiliser pour bah personnel moi m'a quitté là pour nous montrer au créer application au créer quand image là ou déployer les sur Heroku et pour connecter avec Slack pour connecter avec lui et pour qu'a mettre en frontend devant tout souvelé qui a un autre service qui c'est pas Flask là qui a servi frontend là bon et puis yes, salut. Mm-hmm. Well, okay, so nous essayons de faire une belle démonstration là. On dégage du JP, on va prendre du JP. So, qui sont les microservices? Comment créer une fonction et pour une application? Malgré que ce n'est pas toute application, parce que c'est l'idée générale et microservices là. C'est une fonction spécialisée, ils font des choses et puis ils sont capables toujours. Ajouter feature là-dedans, vous pouvez toujours et you know coder l'envi pendant toute application lui-même capable continuer à fonctionner et sur internet ou bien n'importe qui côté là. So et ça me dit comme you know comme conclusion pam bah connait qui est-ce qui voulait aller bon dernier mot et Eli ou te met you know la gueule sur de toi mot va dire mais comment ça nous fait et puis tout ça tout montre un petit bagage que et moi-même tout fait non a fait pas bon mais comme si on t'a reconnaître dans qu'on poste dans concept ça dans process ça parce que depuis le comme qui commence à bagarre comme si dans sens par exemple dans sens que on fait configuration pour un database et puis tout n'importe quoi tu mettre dans tout une configuration même par exemple penser dans concept microservice c'est important m'a fait ça tout temps. So j'en dis ça là, c'est comme ça que j'ai commencé à concevoir microservice là avant. Côté gros, j'ai chaque microservice qui a une base de données pal. But moi-même, comme you know, background et dans la database, m'ta vraiment j'aime fanatique idée ça parce que au cas où il y a un cluster et qui en base de données, ou bien plusieurs machines, you know, qui ont fault tolerance. Les gens doivent avoir, you know, like a nationwide deployment. Kounya la, on a toutes features ça, tout est disaster recovery déjà implémenté dans cluster. So ou pas gain, ou pas besoin manager ou bien penser trop avec base de données. But négocier au début, dès qu'on a promoté chaque microservice gain les bases de données pal. Mais et par contre ça nous fait notre team et notre travail là parce que you know au juste kembe et conception base de données en sorte de répertoire ou bien même là nous utiliser comme Kafka pour et data collection ou pas ou, you know ou utiliser cluster comme avec toute feature cluster rien lui-même et puis service yo même yo cap juste faire ça faire yo juste checker est-ce que base de données est capable reachable et puis si une base de données là on doit faire l'autre décision que au cache et data après ça ou synchroniser là après une genre de base ça mais moi même personnellement pas fanatique que chaque service gagne base de données par yo parce que li ou vin un problème côté
ou oblige à manage disaster recovery pour chaque service ou chaque côté déployé ou bien ou you know faut synchroniser data en côté pour cap et sauvegarder j'en ai pas ça pendant on dit ça là on doit bon pattern to que moun suive gagne fois aller à web design tant que cloud native app avec ça yo côté que ou gagne droit tant que pour moun dans cou yo qui pas veulent gagne tout chaque application en base de données par yo gagne use case gagne cas obligé gagne un seul base de données ça pattern go faire ou considérer un seul application capable à base de données là côté ou mettez un REST API cap servir en l'air base de données là tant que application ça il là seulement pour parler à base de données là et puis toute l'application application qui besoin data yo car on fait code Exactement, on fait ça en l'air parce que quand vous Adobe, il n'est pas vraiment assez pour appeler écrit dans Adobe ou bien pour chaque bagage avec manage Kerberos pour connecter dans Adobe. So, ça nous fait de te faire un data service API. On a là des besoin de parler avec le data warehouse. On a là c'est self service ça qui parle avec et service Adobe. Quand vous Edgebase bien Hive and stuff like that. Yeah, so j'ai dit il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs façons d'organiser l'architecture microservice. C'est un bénéfice qu'elle ba ou parce que il est vraiment flexible. Ou pas gain ou cap dire tout service gain à côté ou ya non virtual machine, non Docker, non Kubernetes et puis you tout cap parler avec et n'importe qui backend et puis you cap parler entre yo et puis ou bien ou servir et application li même parler avec et par API. Bon, Vlad ou là toujours avec nous. OK, so même ba konnen nou ka camper live lan là. Si voyan ken l'autre ba n'a ajouter. Moi ya non, ba kwa gen moi m'a ajouter m'ka fini m'bay dernier mou pam nan. Bon, c'est bien intéressant that by un bon background sur microservice, il explique nous pour qui ça avantage avec des avantages, ce qui est important et bien content avant de commencer à parler de Docker tout pour nous t'ai une idée de Docker et bien nous t'ai live nous t'ai fait avant nous t'ai parlé le plat t'ai parlé plus sur Docker t'ai par exemple expliquer comment nous t'ai on doit utiliser si nous besoin d'information nous qu'à regarder lui. Et bon, même si ça va me dire. Yeah. Mais ok, so, il y a, on s'est déjà dit dernier mot, on va dire, nous allons conclure. Non, je ne vais pas conclure. Ok. All right, so, mais c'est tout bel voyage, je vais finir de parler là avec nous, avec Vladimir. Et then, not tout encore le samedi, à la prochaine. Yeah. All right.